même servir au soir. Je dis, c'est un tième dimanche maintenant, dîner la laisser. Par mon Dieu, mon Dieu, réconcilier une avec l'autre pour un bon Dieu qui a privé ou vite sous terre. On met de nous debout pour nous accueillir ces débats qui se fait pour qu'Asia prenne vie. C'est dans l'Eucharistie que nous venons chercher force, nous venons chercher énergie, sérum, la vie, pour nous capables de faire ferme dans tout quoi que nous avons porté, pour nous camper avec Jésus-Christ, pour nous lever bien vivant avec lui. Et il y a un problème que nous rencontrons, il y a un handicap qui empêche nous avancer, c'est péché. On nous demande Jésus, nous commençons à la messe pour nous débarrasser avec tout ça qui n'est pas bon dans nous-mêmes, pour nous capables de vivre, pour nous capables de léger, pour nous avancer, pour nous jouer. Nous faisons que nous nous calculer un petit moment pendant que nous disons mon Dieu pardon, nous demandons pardon pour tout ce que nous. Devant mon Dieu qui gagne tout pouvoir, devant nous-mêmes, tous frères, ma soeur, moi reconnais que je fais un peu péché, dans sa pensée, dans sa dit, dans sa faire. Moi reconnais que tout pas fait tout ça pour défait. Tout ça c'est faute moi. C'est pour ça que je demande Marie qui est saint et qui est toujours restée vierge.
toutes amis bon Dieu qui dans ciel, et puis nous-mêmes tous frères et sœurs, la prière mon Dieu quand même nous amène. C'est pour mon Dieu qui a tout pouvoir, qui a pitié pour nous. C'est pour pardonner péché nous, c'est pour mettre nous dans la vie qui va changer. Thank you.
commande par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, car il est Dieu pour les siècles des siècles. M'arrachera encore à tous ceux qu'on fait pour me nuire.
Il me sauvera et me fera entrer dans son royaume céleste. À lui la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Parole du Seigneur. On se met debout pour l'acclamation. C'est-à-dire un collecteur d'impôts. Le pharisien se tenait debout, priait en lui-même. Mon Dieu, je te rends grâce parce que je ne suis pas comme les autres hommes. Ils sont voleurs, injustes, adultères ou encore comme ce publicain. Je jeûne deux fois par semaine et je verse le dixième de tout ce que je gagne. Le publicain, lui, se tenait à distance et n'osait même pas lever les yeux vers le ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant, « Mon Dieu, montre-toi, favorable au pécheur que je suis. Je vous le déclare, quand ce dernier redescendit dans sa maison, celui-ci qui était devenu un homme juste, plutôt que l'autre, qui s'élève, sera abaissé, qui s'abaisse, sera élevé. » Acclamons la parole de Dieu. Dimanche passé, parole bon Dieu a dit nous qui Jean, qui puis bon façon, nous capables de faire contact avec mon Dieu. Ça veut dire qui Jean la prière nous. La prière, c'est là où tu crois dans mon Dieu et qui vient Jésus-Christ comme modèle, comme sauveur, comme un prière au fait pour lier. Dimanche passé, nous songer qui Jean Jésus-Christ est en parabole pour t'expliquer comment que guérons madame, une veuve. Tout le temps qu'après des justice, mais à la fin, juge là, qui était malhonnête, qui était dur, qui n'a pas de rien, et bien, tu es obligé de gagner justice pour être capable de gagner la paix. Et Jésus t'a dit nous que, et bien, c'est comme ça, nous-mêmes, tout pour nous la prier, mon Dieu, avec insistance, avec patience, avec persévérance. Je dis à parole, mon Dieu, à continuer dans la même direction, hein. Là, dis nous qui sort de prier, mon Dieu, remet. Et Jésus-Christ, eh bien, il bat une autre parabole encore, parabole que nous relais, la parabole du pharisien et du publicain. Déjà, première lecture que nous avons dans le livre Ben Sirac le Sage,
Fais-nous découvrir comment bon Dieu nous a aidé. C'est un bon Dieu qui sans parti pris. C'est un bon Dieu qui ne regarde pas le monde sur question de couleur peau, sur question de l'argent, sur question de l'apparence. Bon Dieu, là, les droits dans son cœur. Et s'il a souffert, eh bien, lui-même, il tend la prière et tout. Et nous connaissons la prière pharisienne. Et Jésus-Christ, parabole pharisien publicien, son parabole qui est très connu, qui est très fameux. Jésus-Christ a dit nous comment que pharisien s'allait arriver dans le temple, l'a frappé l'estomac, li, pour lui dire Jean lui bon, pour lui dire Jean lui extraordinaire, pour lui dire qualité sale fait. Il jeûnait deux fois par semaine, il baille la dîme, il sont des gens qui sont bons, ils sont comme un bon Dieu. Et il dit comme ça que l'a dit bon Dieu merci parce qu'il n'est pas tant pour bon monde qui n'est pas bon de roi. Et surtout nex ça, publique ça, qui l'a mon côté. Nex ça. Et dans l'époque, ça, juif, il était qu'on la prière à haute voix. Et puis publique en lui-même mon côté parler. Et bien, il dit, bon Dieu, c'est vrai, je ne suis pas bon frère, quand même. Je prie, aie pitié pour moi. Nous sommes pauvres pécheurs. Et Jésus dit, non, bon Dieu, écoutez la prière. Bon Dieu, exaucez la prière avec ça. Parce que la prière a une humilité, une simplicité. C'est la prière qui était vraiment, et au monde qui était fait comme pitié, la prière qui était obéissante, la prière qui t'a demandé pardon, la prière qui reconnaît la dignité. Mais qui j'aime, bon Dieu, bon Dieu remet le monde qui sincère, bon Dieu remet le monde qui humble. Eh bien, c'est comme ça, bon Dieu fait. Alors, il faut nous dire que, qui est ça qui est pharisien, qui est ça qui est publicain? Pharisien et pharisien, c'est un groupe qui a été formé dans le pays Israël. Et cela depuis l'époque 7e siècle. Côté que, c'est de monde qui zélait devant la loi. Qui voulait appliquer la loi, mon Dieu, de manière parfaite. Et des fois même à la lettre. Et pour faire ça, il met une pile passée gagnée. C'est comme ça, 10 commandements, Moïse te baille, le peuple dans le Sinaï. Eh bien, pharisiens, avec tout commentaire à Béo, ils ont fait tourner 613 commandements. Côté que, ils ont mis un paquet de petits bagages, principes, qui fait que la loi est lourde. Pour mon autre consacrel, il va pour qui gens pour capable interpréter vraiment parce qu'il y a trop bagage pour ici alors qu'il était seulement 10. Jésus lui même également nous un seul commandement. Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. Et bien et gravé avec pharisiens de tous les 613 commandements. Et on publique lui même qui s'alteigne. Publique en lui même c'était s'il a qui était en pile fois nous qui a fait travail public. Et en plus, taxe collecteur, il y a et publicain, qui a travaillé à la douane, dans l'impôt, dans la contribution, qui a travaillé, qui a conseillé le travail, qui a fait un comme, et il a fait, il a été riche, tout a fait tout. Mais tout ça que tu as fait, pas de vrai, ouais, plus, c'est parce que l'agence a été prise dans mes peuples-là, qui n'est déjà pas gagné. Hein? C'est l'agence qui a pris pour le bail Roméo, qui a occupé Israël dans l'époque de Jésus-Christ. Et c'est là que j'ai baqué le peuple d'Israël. Donc, les publicains ont été considérés comme un pécheur public. Par le fait qu'on a fait travail, ça a été excommunié de temps de Jérusalem. Donc, pas de guénois même comme si vous êtes venu à la montée, mais je n'ai pas été loin pour te baquer. Donc, qui fait que les publicains ont été les pécheurs impurs, c'est vous qui êtes impurs, vous êtes méprisés. Donc, c'est nec ça. Donc, les pharisiens comprennent eux-mêmes qui sont mon capé, qui vivent la loi avec un certain idéal, qui a un idéal de vie, un idéal religieux. Donc, ils sont très méprisants par rapport avec les publicains. Les publicains, c'est un homme qui a dit que le monde sait, il n'est pas là avec eux. Et donc, c'est comme ça, donc, prier devant mon Dieu. Donc, les sont supérieurs et les gens sont vraiment bas, qui ne sont pas sur les hérités bon côté du tout, du tout. Mais Jésus dit nous que bon Dieu lui-même il tendait la prière parce que bon Dieu remet de la prière pauvre, la prière c'est là qui fait quoi au pitié, monde qui arrogant, monde qui orgueilleux, monde qui veut frapper l'estomac, eh bien bon Dieu pas écouter la prière, yo. Bon Dieu pas aimer ça. Et Jésus-Christ lui ben nous comme yon sentence, et bien ça lui venir pour belle parole. Côté que les banques nous capables toujours songer, monde qui levait tête, bon Dieu fait, monde qui baissait tête,
bon Dieu fait lever. Et ça fait maximum, nous constatons la pile fois dans la vie ordinaire, la vie courante. Nous avons des gens en pile fois qui, bon Dieu fait merveille avec eux. Nous avons des gens qui font que vous pitié, des gens qui font que vous simple, des gens qui reconnaissent que vous pas en rien. Nous avons un exemple depuis David. Nous avons un exemple et tout si là, qui tout serviteur, bon Dieu, tout ami, bon Dieu, qui fait que vous pitié. Maman Marie en particulier. La fille de Sion, et dans toute l'histoire de l'église là, pour être tout ceci là, qui fait que vous petit, que vous simple, bon Dieu prend plaisir pour lever en l'air. Tant que Jean-Marie te dit le magnificat là, le grand-mère prend plaisir pour si là, qui pauvre, vous pas gagné, vous les combler, et puis riche, vous les voyez, mais vide. Tout potentat, vous les craser, vous les faire vite plat à terre. C'est comme ça, bon Dieu. Donc, songez ça, qui Jean bon Dieu est. Mon Dieu, pareil, mais monde qui a pu frapper l'estomac, monde qui est arrogant, monde qui est orgueilleux, monde qui peut être dans la tête. Et il paraît mais monde qui a méprisé l'autre. Il paraît mais monde qui a fait pipi souffrir. Il paraît mais monde qui a proposé au plus bon passer l'autre. Frère Axemio, pharisien ça, Jésus-Christ a parlé. Ce n'est pas seulement le pharisien qui est 2000 ans déjà. Et puis, nos pharisiens qui sont dans le pays d'Israël, pharisiens, ça fait maximum, ils ne pas trop loin, non? Pharisiens, ça nous capable de dans nous chaque qui là, ni dans moi-même, ni dans nous-mêmes. Pharisiens, c'est comme ça lié, comment parler, comment lier. Chaque fois que nous disons que nous-mêmes, nous bon, l'autre n'est pas bon. Chaque fois que nous exigeons pour l'autre, nous toujours prêts pour nous craser. Et puis nous-mêmes, nous avons une qualité excuse pour tête par nous. Chaque fois que nous avons mis un gros fardeau sur la tête de l'autre, et puis nous-mêmes, nous ne pouvons pas même lever en haut de la tête. Chaque fois que nous avons parlé de l'autre mal, regardez ça, il tel fait, regardez ça, il tel pas bon, regardez ça, le fait, regardez qui j'en, regardez que nous avons mis dans nos zins, dans nos barres. Alors que nous-mêmes, nous avons des zins partout, nous avons caché, nous avons des problèmes partout, nous ne connaissons pas. Mais nous agissons comme ça, nous sommes le pharisien de l'évangile. Nous-mêmes, tous nous sommes pharisiens de l'évangile là. Et nous-mêmes, eh bien, nous besoin d'entendre des paroles ça. Côté bon Dieu, j'ai appris nous, monde qui leve tête, bon Dieu fait baisser. Monde qui baisse tête, bon Dieu fait lever. En pile fois, nous pouvons nous parler. C'est un bagage presque général. Nous avons l'habitude pour nous toujours apporter tête. Nous avons dit, ouais, moi-même, nous sommes bon monde. Ouais, moi-même, nous sommes monde. Il y a des fois, on a dit qui des fois paraît négatif. Par exemple, pour montrer comment il est important, il est spécial. Oui, moi-même, nous sommes monde qui est bien drôle. Ouais, moi-même, nous sommes monde qui aime parler, soit de la sévérité. Nous sommes monde, moi-même, on a parlé de moi-même. C'est comme ça nous parler. Ouais, moi-même. Et puis, on a parlé de l'autre, moun sayo. Frère Maxime, yo. Là, nous avons une attitude, ça, c'est pharisien, nous, oui. On nous fait des efforts pour nous parler comme ça. Si nous comme ça, est-ce qu'on essaie de faire le moins? Question de tout le temps, craser l'autre, rabaisser l'autre et puis monter tête par nous. Quitter l'autre, nous monter nous. Quitter l'autre, même si on a dit comme ça, que ah, je ne sais pas monter tête, papa, que nous avons monté nous. Quitter ça. Bon Dieu, contre tout le bagage. Non, c'est pharisien, oui, l'autre fait ça. Quittez bon Dieu lui-même, il travaille avec vous. Bon Dieu prend plaisir pour le monter. Les que, eh bien, quel que soit son fait, soit réalisé, ouais, toujours considérer aux gens de Jésus-Christ comme un serviteur quelconque. Vous faites travail, c'est vrai. Vous êtes capable de mériter. Mais il n'y a pas de baron tout. Ça ne va pas rien. Il faut porter au travail, vous faites tout ça pour le faire, vous passez un remerciement. Eh bien, allez, ça ne va pas rien. Ça ne va pas rien, c'est vrai, ça ne va pas faire tout, mais. Pas besoin de faire ça pour nous big deal, pour fâcher. Non. Reconnaître que, eh bien, nous prenons rien. C'est la grâce, mon Dieu, qui fait nous qui choye. Nous quitter bon Dieu lui-même, lui marcher avec nous. Nous quitter bon Dieu lui-même, lui faire merveille dans la vie nous. Et bon Dieu fait merveille dans la vie nous, il faut nous sembler avec Maman Marie. Faut nous sembler avec tout silaio, tout grand sésaio, tout silaio dans la vie, mon Dieu, dans la vie, l'église là, qui fait que nous pitié Sainte Thérèse de l'enfant Jésus et tout le monde saio, eh bien, qui te pote au bail, mon Dieu, pour ça, et puis mon Dieu lui-même, lui fait éclater, lui fait merveille dans la vie. Oui, frère Maxime, parole, mon Dieu, je vous dis, invitez-nous,
pour nous capables de chercher humilité. Humilité, c'est une grande qualité. Bon Dieu remet en pile. Eh? Mais son qualité, nous-mêmes, tout nous remet humilité. Mais ce n'est pas facile pour nous gagner. Ce n'est pas facile parce que nous, chaque, nous gagnons égo dans nous-mêmes. Notre égo, c'est plus gros idole. C'est plus gros idole que dans la vie, nous, le moi. Et c'est moi ça. Igo va quand ça dit ouais même pas accepter tout bagarre même pas prendre pas du même pas c'est ça en pile fois qui bail problème dans société a qui fait grand pile souffrance qui fait grand pile souffrance qui compte cause et division dans foyer dans famille ouais orgueil là frapper l'estomac là moi même non ouais c'est des bagarre pour dans moi même on fait pareil ça moi même des fois c'est une idée nous bon idée trop de tête non. Nous pensons que l'humilité n'a pas voulu dire que faut obliger qu'on low self-esteem, ou est pour penser mal de tête tout le temps, ou est pour toujours faire abaisser tête, pour toujours avoir même un point. Bon, c'est pas ça de dire non. Mais l'humilité, c'est surtout où est aujourd'hui. Ou est connaître que où c'est un monde et que ou pas ni pas honnête ou pas ni bonnette tout. Ouais, pas même qui parfait. Ou reconnaître tout avec qualité, ou gain qualité, mais tout gain défaut tout. Reconnaître tout pour ça, accepter qu'on gain défaut. Accepter tout qu'on gain qualité, ou gain bon bagaille dans nous-mêmes et tout le monde gain bon bagaille dans nous-mêmes. Ouais, ou comme ça, ouais, ça pas bon, ou capable faire bagaille qui mal et l'autre font bagaille qui mal, demander excuse. Ouais, sauf font bagaille qui mal, demander excuse, ou toujours prêt pour excuser. Nous connaissons des gens qui ne peuvent jamais d'excuses, qui ne peuvent jamais faire ça, parce que nous même un pouvoir important, nous ne peuvent pas baisser tête. Non serviable, comme Jean-Louis Sévène et Télé. Nous ne peuvent pas servir, nous ne peuvent pas baisser tête. Eh bien, nous avons un sac qui ne peut pas contrer en pile souffrance. Lorsqu'on frère souffre, on souffre, et puis vous dites, I'm sorry, excusez-moi. Eh bien, ça, c'est ça qui est humilité. C'est ça qui est humilité. Nous connaissons que, eh bien, tout le monde, on cap fait, on va être pas bon, on cap fait mal, on cap fait méchant, on cap bien mystère, mais on pas ça, c'est pas ça seulement. C'est pas ça seulement. L'homme de pardon, c'est reconnaître plus que ça. Il y a des gens qui pensent que demander pardon, dire excuser, son acte de faiblesse. Non, son acte de force, son acte de grandeur. Son acte de grandeur. On est capable de demander pardon. Ouais, pape là, l'entrée, ouais, il demande pardon. Pour pécher, qui fait, il m'a dit pardon, il m'a dit pardon. C'est extraordinaire, oui. C'est reconnaître que, ou si on ne peut pas faire un bagage qui passe ça, mais l'autre dit qu'on ça, I'm sorry, ça veut dire que, sauf que ce n'est pas normal, ce n'est pas ce qu'on a habitué à faire, ce n'est pas ça qu'on doit faire. C'est reconnaître qu'on fait plus que ça, ou pas qu'on réduit la tête à ça seulement. C'est ça veut dire, oui. Ouais, c'est vrai qu'on fait ça qui mal, je dis, mais on peut faire ça qui bon, tout, sorry, ça fait, je dis, pas bon, next time. Mais bien, on va faire comme ça encore la plus bon. Et ça, sauver un pile foyer, ça sauver un pile famille, un pile petit monde qui l'a aujourd'hui, a cap grandi dans une famille solide, et bien c'est parce que quelque part, parents ont été acceptés, pardonnés, ont été acceptés, excusés, et des fois, c'est pas toujours ça, mais ça arrive parce que humilité, eh bien, c'est une vertu qui vraiment, qui pote en pile bénédiction, en pile faveur, en pile richesse dans la vie famille, dans la vie communauté, dans la vie l'église. Humilité, tout, c'est reconnaître que c'est accepter l'autre. Accepter l'autre. Reconnaître que même si je ne suis pas parfait, l'autre ne doit pas faire tout. Ouais, accepter que il est capable de faire erreur, il est capable de faire erreur, mais pas réduire mon nom. Avec seulement ça que l'il fait, avec ça qu'il fait qui mal là. On est capable de faire ça qui bien tout. Ou même on fait ça qui mal. Et bien l'autre, il fait des choses qui mal tout. Et puis, bah, c'est tête chargée, tout bagaille tout. Garçon, il y a droit en pile foyer dans le foyer. Il y a deux, trois, quatre madames. Et puis si fille a lui-même bon leur on a une faiblesse, il est tombé, eh bien, fuck de séparation, fuck de divorce. Faut qu'on avile, faut qu'on bagarre. Eh bien, c'est ça, ça les orgueils là. Mais pardonnez-lui tout. Même si j'allais même pardonner pour manquement par où, eh bien, on va pardonner tout le monde parce que, eh bien, nous toutes, nous pas bon, c'est effort qu'on a fait avec grâce, mon Dieu. Eh bien, l'humilité, c'est ça, mais c'est reconnaître que l'autre n'est pas capable de confronter. Eh bien, pas fermer cœur, pas fermer tout le bagage parce que, eh bien, avant ça, il ne va pas accepter ça, avant ça, il va être ça, jamais. Eh bien, ça, il peut être souffrance. Il peut être tête chargée, il peut être problème.
Humilité, c'est reconnaître que, et en pile fois, la société n'a pas projet de tout le monde. Oh oui, il faut que changer. Force, il faut que la force existe là. Mais ou même tout, pas bon tout. Ce n'est pas seulement notre pour changer. Donc, ou même, il faut changer tout. Ou même, il faut changer tout. Il y a même dans la prière à l'église, on a dit, mon père, dans la prière, pour mon salon, qui a fait nous souffrir, mon salon. Mon père, ça me dit, d'accord, mon salon. Mais et vous-même, vous ne pas faire nous souffrir, tout même. Ce n'est pas tout le temps que vous avez projeté, mon salon. Nous-mêmes, tout, nous faisons notre souffrir, tout. Nous-mêmes, tout, nous avons des problèmes, tout. Pour nous reconnaître ça, et pour ça, eh bien, nous va accepter l'autre. Nous ne sommes pas capables de mettre la tête ensemble, pour nous vivre ensemble, pour nous travailler ensemble. Pour nous reconnaître que nous faisons des choses qui ne sont pas bonnes, ok, c'est ça, il n'y a pas de bon, nous dénoncer. Mais nous sommes capables de travailler ensemble, nous sommes capables de vivre ensemble. Et ce n'est pas que nous sommes des choses qui font nous souffrir comme haïtiens. C'est que nous ne sommes pas capables d'accepter l'autre, nous ne sommes pas capables de vivre avec l'autre. L'autre, là, c'est toujours l'autre, c'est le diable. L'autre doit disparaître. L'autre, il faut l'éliminer. L'autre, nous ne sommes pas capables de servir avec lui. C'est quoi ça toute notre histoire? Nous ne pouvons pas servir à nous, nous ne pouvons pas servir avec Macbaï. Il faut que nous fassions disparaître. Il faut nous changer l'attitude de ça, Maxime. Il faut nous changer l'attitude de ça. Pour nous reconnaître que et même nous sommes petits, mon Dieu. Et nous ne sommes pas parfaits. Nous ne sommes pas parfaits pour nous accepter toutes les vérités. Pour nous accepter, eh bien, le notre dit aux bagages. Oui, ok, l'offre fait le vrai. Ok, bon, excusez-moi. Et puis, ça finit tout, ça finit. Et la vie est possible. Nous sommes capables de continuer la vie, continuer à vivre, continuer à jouir, merveille, mon Dieu. Parce que, en pile foi, eh bien, mon Dieu veut nous vivre. Mon Dieu veut nous tout ça, nous besoin pour nous vivre. Mais c'est orgueil là. C'est pas capable d'accepter l'autre, la vie avec l'autre là, qui fait que, eh bien, nous avons souffri. Et c'est ça qui a privé le pays d'Haïti, Jodia. C'est une possibilité pour nous de vivre avec l'autre. Accepter l'autre. C'est pour nous reconnaître que nous tous pas bons. Nous tous pas bons. Nous tous pas bons. Et nous montrer tout le monde que nous tous pas bons. Nous acceptons l'autre. Nous sommes frères, nous sommes quand même. Mais nous tous, nous sommes petits, mon Dieu. Mon Dieu, aimez nous tous. Et frères, soeurs, nous sommes capables de faire souffrir. Mais moi, aimez-vous. Moi, je veux vivre avec vous. Nous n'avons pas changé. Nous n'avons pas converti. Mais moi, je veux vivre avec vous. C'est comme ça que nous avons besoin de chemin pour nous vivre ensemble. Nous avons un chemin de libération, nous avons un chemin de développement, nous avons un chemin de la vie. C'est pour nous accepter l'autre, c'est pour nous capables de vivre avec l'autre là, c'est pour nous prêts, pour nous capables de tendre l'autre et pour nous capables de pardonner l'autre. Parce que quelque part, moi-même tout, nous avons des choses que nous besoin de pardonner, Frère Maxime. Moi-même tout, nous avons un besoin de nous faire. Moi-même tout, nous avons conscience que nous faisons souffrir tout quelque part. Eh bien, nous-mêmes, nous sommes capables de... C'est pour nous vivre comme ça, pour nous reconnaître que, eh bien, nous condamnons pour nous vivre ensemble. Ou bien tout, nous condamnons tout pour nous mourir ensemble. Parole bon Dieu, aujourd'hui, a invité nos frères et sœurs, pour nous quitter, bon Dieu, la vie, bon Dieu, descend dans nous-mêmes, pour nous accueillir, pour nous capables ensemble de reconnaître que nous sommes frères, nous sommes sœurs, et puis pour nous chercher la vie, pour nous retirer toute qualité de vie orgueil, toute qualité de vie réticence. Toute qualité vie parole, toute qualité vie l'idée longtemps, on pas avec vous, on pas servir avec ça, on pas avec vous ça, on pas besoin de monde ça, faut tout nous avaler, etc. On nous vivre ensemble, on nous accepter une l'autre et ensemble, n'arriver. Si on bombe la main, si on va l'autre la main, eh bien nous allons finir. Un jour, nous capable que nous pas plus mal, passer ça. Nous va capable de vivre ensemble. Bon Dieu, apprendre ça dans nous. N'a demandé Jésus. Cet ami intérieur, ce psychologue, ce médecin par excellence, pour le venir guérir nous, pour le venir guérir cœur haïtien, pour le venir guérir cœur nous, pour le retirer toute mauvaise malice, retirer tout orgueil, retirer tout vieux orgueil, retirer tout ça qui n'est pas bon, toute dureté, toute réticence, retirer tout cœur dur, pour nous demander un cœur de chair, pour nous yon après accepter l'autre. Et le sacré maximum, il va respecter Haïtien. Je dis à nous l'aide, il va respecter nous. Pour une seule raison, parce que nous ne sommes pas capables de vivre ensemble. Tout le monde compte ça, il compte ça. Là, il y a des gens qui disent pas besoin de peur, il va le gourmet avec ça. Il dit ça dans l'église. Il dit ça pour le passé, il va le gourmet. Il doit toujours le gourmet. Et bien, nous demandons à mon Dieu pour nous convertir, nous, ni moi-même, ni nous-mêmes. Pour nous capables de changer, pour nous capables de pour publier, pour nous reconnaître que nous sommes pécheurs, pour nous dire, bon Dieu, tant prie, pitié pour moi, tant prie, viens pardonner. Et bien, ça va la vie, bon Dieu,
qui descend dans nous-mêmes, tant qu'on l'offre pour capable compter dans la vie, pour capable purifier, pour capable faire tout ça qui va donner dans nous-mêmes. Et ça pour nous vrai, nous va arriver dire quoi pour Paul, nous va arriver avancer dans la vie à tout nous vrai et la vie nous va bon sens. Et tant quoi pour Paul de deuxième lecture, nous va dire que j'ai combattu le bon combat au soir de notre vie. C'est vrai d'ailleurs que Dieu, c'est vrai que nous pas de bon, mais avec grâce mon Dieu, nous avons combattu le bon combat, nous avons gardé la foi. Qu'il en soit ainsi pour chacun de vous et que Dieu vous bénisse. Amen.
cœur qui humble, l'argent, mon Dieu, fléchit. On nous compte prier de nous bannir. Nous avons besoin de peur, tout ça nous besoin. Tout ça nous voulons réaliser la vie, nous te porter au bas, mon Dieu. Mon Dieu, papa, nous avons un cœur qui est riche en miséricorde, bonté, tendresse. On nous la prière, on nous chante. Thank you.
Prions ensemble, chers et frères, pour offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Regarde les présents déposés devant toi, Seigneur notre Dieu. Permets que notre célébration contribue d'abord à ta gloire. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, car il est Dieu pour les siècles des siècles. Pour la multitude, en rémission des péchés, vous ferez cela
grâce car tu nous as choisi pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre archevêque cardinal Jean et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur notre sang frère, sur François Junior, c'est un projet de mon amour. Permets qu'avec la Vierge Marie, la glorieuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son frère Chastebout, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Alléluia, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père tout-puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur. Thank you.
Yeah.
qu'on y a, moi arrivé dans bout d'expérience là. On va retourner à Haïti. Moi voulais profiter l'occasion ça pour me capable faire quelques remerciements. Tout d'abord, moi remercie bon Dieu remettre là qui te bonne grâce pour me faire belle expérience ça. Moi voulais remercier tous ceux qui dans ciel particulièrement Saint Antoine de Padoue qui c'est patron. Et moi à profiter de l'occasion ça tout pour remercier clergé paroissio Diac Dornus et Père Herman, Père Charlie qui devait accueillir Père Massion avec Père Garcia Brenville. Père Garcia, merci en pile, merci pour tout ça que vous représentez pour nous, les petits nous, pour nous toutes en pile dans le pays haïtien que vous avez formé pendant que vous êtes dans le grand séminaire. Merci parce que vous êtes professeur nous, vous êtes doyen nous. Et pendant trois mois, ça y est, que je passe bon côté là, ça que vous avez appris nous à travers des concepts dans le grand séminaire, moi, vous avez vous-même, vous avez expérimenté. Ça veut dire que vous avez une possibilité pour apprendre deux fois ensemble avec vous. Non seulement dans le livre, mais tout dans la pratique, dans la réalité pratique. Sans sa cœur, dis-moi pile bagage. Ça veut dire que ça que vous avez dit nous, moi côté vous-même, moi pratiquer. Façon où vous partagez table la parole là, table eucharistique là, avec troisième table là qui c'est la table de chaque jour, c'est un beau témoignage. Et nous disons merci en pile pour ça. C'est pour ça que nous demandons bon Dieu pour continuer bénir le ministère. Moi, je voulais remercier toute la famille qui est ici de Boston, et particulièrement Philomène Alfred, ensemble avec Firmante, et yon mon oncle tout, moi l'église là, Denis Alfred qui est là. Moi dis nous tout merci et toute notre famille, merci qui est toujours courable d'avoir fait qualité de marche ça. Merci tout à tout personnel, à personnel pour les deux presbytères. Et finalement, moi voulais remercier toute paroissienne, chaque grand monde, qui là. Moi dis nous merci en pile, bon sourire, bon conseil. Puis le monde qui était conseiller, il était entendu une pratique en anglais, qui était plein de très bons conseils, comment on fait. Moi, je dis tout merci en pile. Et moi, je remercie particulièrement frère avec soeur Nolo qui toujours la messe la semaine. Moi, je dis tout merci. C'est pour bon Dieu continuer à bénir nous. Merci en pile. Alfred Laurent, il était avec nous et pendant tant ça, il dit à 3 mois. Bon, et tout est vraiment content. Mais il était là comme il était en résidence, pas vraiment à ça avec Pawasla, mais vraiment il était fait une dans l'équipe là. Et nous avons vraiment apprécié la présence li, et la sagesse. Li. Son mec à la fois sage et funny et très joyeux, qui a un pile que content. Il paraît très sérieux. Pourtant, son est toute la blague, toute la journée. Sont vraiment très contents de gagner. Et nous espérons que c'est peut-être fin expérience anglaise. C'est capable peut-être bientôt ou plus tard, on a espéré que c'est capable d'être une expérience pastorale dans les États-Unis parce que vous avez déjà parlé de ça. Nous avons souhaité ça. Nous avons fait nous beaucoup de main, surtout dans les anglais, pour que nous avons vraiment besoin et aide dans ça. Donc, merci, Père Fred.
pour présence. Merci pour annoncer. Merci pour toute expression de député dans le grand séminaire. Venez aujourd'hui. C'est même amour. Que votre continue à bénir. Comment êtes-vous pour votre cœur? Moi, je vous encourage, je suis venu pour moi. Parce que je suis vraiment content, je suis apprécié à chanter. Et je chante avec cœur. Je chante avec la foi. Ouais, on vit ça fait au sérieux. Là, moi, j'ai donc la chanter, ouais. Jessie, là, comme si on était dans nos efforts. Ça, mais quand même, ouais, on content ça fait. On fait avec sérieux. On tout mettait mais. Et comme si là, ouais, c'est pas jeune qui l'envoie son pile grand monde qui compte ça y a fait et puis qui voulait faire les. J'aime content, ouais. Ouais, merci à vous. Merci beaucoup. Regarde, qui va te donner? Ma prière de la prière, ouais. Ma demande pour toujours bénir nous. Et puis, nous avons veillé sur nous parce que nous avons aimé tout réussir. Pour nous porter de bons résultats, pour nous porter de bonnes commissions, pour tout le monde, pour nous être fiers de nous-mêmes. Pour nous 10 ans, dans 15 ans, nous avons gardé nous pour nous. Eh bien, c'est un gros bagage de société. C'est ça que nous avons souhaité pour nous, pour Dieu, toujours qu'aimer nous. Parce que ce que Dieu garde est bien gardé. Que mon Dieu garde. Merci. Nous sommes là, pour y aller avec un pays, pour mener l'édition finale. Donc, merci encore une fois. Avec Père Laurent qui va quitter nous allons apprendre pour bénir nous, pour notre bénédiction, mon Dieu. Grâce, faveur, nous devons vraiment nous à travers notre Seigneur. Grand maître là avec nous tous. Bonne semaine.